Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? C'est toujours un plaisir pour moi, Dorant François, rentrer la caillou pour me porter une belle émission ça pour qui c'est Espace du Savoir. Pas oublier aussi le channel du Savoir. Jodi an, mwen gen nan kay lan yon jwenn gason, Fednel François, se nan li. Li se yon indigo. Ki sa indigo a e? Mwen pa konnen, mwen menm se premye fwa m tande yon moun se indigo. Li menm, li pral eksplike nou ki sa indigo a e. Jodi an, nou pral pale de etre de lumière. Nou pral pale tout de ki jan yon moun ka evolue spirituellement. Nou pral pale tout ki jan ou ka éveye esprit ki nan ou a. Ki jan ou ka reconnaître ange gardien ou ki jan ou ka communiquer ensemble avec li. C'est pral yon belle émission. Judeline Guerrier ki makye, Dorinsky ki ide caméra, Max kap assure réalisation yo, c'est Dorant François. Rete connecté, n'ap pran coup de pause, n'ap tourne après-pause-là, merci parce qu'on était connecté sur channel là, pas oublier ou suivre espace du savoir. J'aime te annoncer là, nous gain Fednel François Indigo dans Kaila ensemble avec nous. Bonjour Fednel, bienvenue sur plateau nous espace du savoir, comment est-ce? Bonjour Dorant et bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs yo, dépendamment de à qui leur va regarder et vidéo ça, émission ça. Donc, nous en forme, nous en forme. Vous sentez en forme? Nous en forme, même j'en somme avant. Ok, m'a tout dit nous ça et m'a rappelé nous, Fednel François, c'est Maître Kala, yon ancien invité Espace du Savoir. Je veux dire là, nous avons chance encore une fois pour nous gagner sur le plateau, pour brasser l'idée ensemble avec nous. Fednel, 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 et puis mon parent, non? Qui est-ce que bon, et naturellement, là, on leur pose un genre de une question comme ça. Il n'y a pas de bonne réponse là. Pour qui ça? Parce que mon ato aujourd'hui, c'est. Par exemple, moi-même, c'est Fednel François, moi, c'est ingénieur, moi, c'est docteur, moi, c'est ceci, moi, c'est cela. Mais tout ça, il n'y a pas d'écrit qui est ce monde là exactement. Tout ça, c'est des titres que la société a mis monde là. Mais ça, il n'y a pas aucun rapport avec qui est ce monde là exactement. Donc, automatiquement, dans mon qui est lié, question sur question qui est vraiment, vraiment, vraiment profond. Parce que mon ne parle pas d'un paquet de couches dans lui-même, d'un paquet d'aspects dans lui-même. Mais là, on a pris une question dans le sens opposé, dans le sens social, comme si qui activité sociale et que m'a mené, comment m'y dans la société. Activité spirituelle ou tout, pourquoi pas? Ok. Et Fednel François, son jeune garçon, son spiritualiste, un indigo, genre, que vous avez dit là. Et moi, j'ai commencé avec études universitaires, moi, je n'ai pas fini avec elle pour me. Et lancer dans la quête spirituelle, moi, parce que c'est une mission, moi, ça, c'est là pour me passer ce travail. Moi, ça. Donc, il y a quelques bagages qui étaient obligés de sortir sur le chemin. Moi. Et j'aime dire, moi, je suis un jeune spiritualiste, moi, je suis un chercheur. Et dans le bon créole, bon mot qu'on utilise, oui, là, on est polyvalent, on a fait un peu de tout. On est autiste. Un peu de tout, socialement ou spirituellement? Et dans plusieurs aspects. Spirituellement, socialement, professionnellement, plusieurs aspects. Donc, vous êtes être de lumière. Donc, automatiquement, il y a un monde au niveau spirituel, ou pas vraiment gagner une barrière, qui, ou pas vraiment gagner une étiquette qui vous a mis sur vous. Parce que, dans plusieurs facettes que vous vivez, il y a besoin. Il va comme sur une étiquette. Même gens, par exemple, on prend un exemple sur Dieu dans la religion. Dieu n'a pas capable d'avoir une étiquette. Parce que il y a une infinité de aspects, une infinité de facettes. Sous bas, il y a une étiquette, c'est comme si vous limitez là seulement sans comprendre de lui-même là. Pendant que bon reste que vous pas qu'à comprendre, bon reste que vous pouvez comprendre, que vous pas qu'à percevoir. Ok. Fednel, nous parlons pas les deux indigo là. Où c'est un indigo. Le mot d'indigo, c'est presque lié la indigène. Qui ça indigo là? Ok. Et non indigo exactement, c'est un médium, pas rappeler de nom médium, non. C'est un médium qui était
pendant le 20e siècle, pendant fin 20e siècle, qui était remarqué que une série de timoun qui a fait, mais timoun ça a gagné une couleur indigo qui est vraiment présente dans l'oreille. Et c'est de là qu'il vient d'avoir un nom enfant indigo. Mais indigo qui est sur en réalité, ce sont des âmes qui sont et dans l'autre dimension, sur l'autre planète, dans l'univers, dans la galaxie noire, et qui tendait que Gaïa, qui tendait que l'humanité a besoin et passer dans un nouveau paradigme, et ils ont choisi d'être incarné pour porter aide aux bâtiments humains. Donc, et c'est ça qui est indigo. Donc, c'est des âmes qui viennent pour venir détruire le système ça nous vient là actuellement, qui est basé sur la peur, qui est basé sur le profit, qui est basé sur et la domination, tout ça. Donc, nous avons un système, nous avons une matrice qui empêche nous évoluer spirituellement. Et indigo eux-mêmes, ils viennent pour porter lumière par eux, pour aider la conscience collective à décoller. Dans quelle planète indigo ça a sorti? Puisque ils ont quitté la planète par eux, ils sont venus sur la planète Terre, ils sont venus réincarner. Donc, si ils ont réincarné dans un petit bébé ou quoi, dans un petit monde, et puis ils ont grandi, et puis ils ont rempli mission sur la Terre. Dans quelle planète ils sont sortis? Bon, avant de ça, je que gain des indigos, ce sont des âmes terrestres. Oui. Okay. Pas oublier que j'en ai appris l'histoire, l'école, c'est pas comme ça lié en réalité. Et l'évolution humaine n'est pas linéaire, il y a des hauts et des bas. Et nous, quand on parle de l'Atlantide, de l'âge d'or, tout ça, c'est une époque côté que Dieu a vécu sur Terre avec l'être humain. C'est de même Dieu qui a parlé dans la mythologie, mythologie grecque, mythologie romaine, mythologie égyptienne, sumérienne, tout ça. Et il y a parlé de Dieu de ceci, Dieu de cela, Dieu de la guerre, Dieu de l'amour. Donc c'était des extraterrestres, c'était des êtres qui sortaient ailleurs, qui étaient plus évolués que nous, mais nous pas de comprendre à l'époque, nous pas de comprendre le niveau de technologie. Donc tout ça que nous avons fait, nous avons fait pour magie. Et nous même nous avons enseigné leur série de pratiques, nous avons enseigné leur série de sciences. Et c'est ça qui fait, par exemple, il y en a d'un qui enseigne l'homme comment pour le planter, il est le Dieu de l'agriculture. Yon qui enseigne comment pour défendre la tête et les dieux de la guerre. Donc c'était comme ça, yon te porté connaissance pour l'homme. Et à l'époque, l'homme te gon niveau spirituel qui puis évolue. Jusqu'à ce que vin gagner yon événement qui vin passer, côté qui entre Dieu yon vin gagner yon conflit, qui vin faire Dieu qui tape enseigné humain yon vin obligé, quitter la planète là, yon vin laisser l'humain yon nan main et yon capable de dire, yon vin obligé laisser l'humain yon nan main, catégorie d'être ça qui est actuellement là. Qui prend l'humanité en sous contrôle. Donc, Jean de Amzayo, il y a qui choisit d'incarner dans l'époque ça. Jean de Am qui était en évolué à l'époque. Il y a là-dedans qui choisit d'incarner dans l'époque ça même pour porter support yo, by et conscience collective pour aider conscience humaine à évoluer. C'est même Jean tout gagné des âmes qui sortent ailleurs dans l'autre dimension sur l'autre planète. Ok, donc en gros. Tout ça, ça t'explique mieux là. En résumé, c'est ça. Ou c'est un être, ou c'est une âme qui réincarne, qui sortit dans l'autre galaxie, qui réincarne, mais qui mission exactement sur la Terre, puisque âme ça a chaque et a une mission d'après vous-même. Bon, étant que indigo, donc toute âme a une mission pour évoluer spirituellement. Donc, dès que une âme choisit incarner, donc automatiquement, une bon mission pour évoluer spirituellement, une bon mission pour l'apprendre, pour faire expérience. Mais après ça, indigo même yon l'autre mission à part, qui c'est vin porter support yon, vin porter lumière yon by humanité. Donc, c'est le travail ça qui m'a fait là. Par exemple, ça fait, c'est pas la première fois que je passe dans l'émission, je passe dans l'autre émission tout. Et je travaille sur le projet PAM tout pour me capable de porter plus de messages, plus de contenu. Et donc, travail là, c'est qui s'allier. Premièrement, moi-même comme indigo, j'ai pour mission pour réveiller l'autre indigo pareil moi parce que bon paquet qui a dormi, yo gen des symptômes, yo gen des signes, yo gen des bagages qui a vu que yo pou ka comprendre parce que société en programme yo depuis au petit, yo fait oublier qui est sur. Donc premièrement moi gen pour éveiller indigo et pareil moi ou bien l'autre type de star sibio, l'autre type de âme qui sorti dans l'autre système stellaire, gen pour aider yo réveiller pour aider au compte qui est sur parce que travail là moi pas qu'à faire pour comme travail là c'est nous toutes qui incarnés pour nous faire donc c'est nous toutes pour qui mettez main dans bataille là parce que travail là puis oui on parle de travail là et vous parlez de ça que ou gagne encore comme projet mais moi je voulais plus comprendre mission est-ce que mission li très spirituelle c'est l'âme bon capable
et but final nan li spirituel. Mais pas oublier que de quoi parle de spiritualité ou pas qu'à éloigner la matérialité là-dedans, parce que la matérialité, le nous on choisit quand on est dans la matérialité, c'est pour explorer une série de barrières qui est bon pour spiritualité nous. Par exemple, ouais, nous choisissons quand on est dans un plan de danse, dans un plan matériel pour faire une série d'expériences qui est bon pour et qui est bon pour évolution nous. Donc et par exemple travaillant qui comment travaillant par exemple sur le plan physique, sur le plan matériel, et par exemple la façon que nous vivons. Nous avons une façon que nous vivons nous-mêmes comme indigo, mais pas seulement indigo, l'autre être de lumière. Nous avons une façon que nous vivons qui est exemplaire. Par exemple, mon entourage ou qui doit remettre la façon à vivre là, ils viennent poser des questions au monde. Okay, comment faire à vivre comme ça? Comment faire comme ça? Comment faire moi ou pas un problème qui est toujours content ou pas j'aime ceci? Donc, lumière qui n'a ou tellement brillant façon que vous attirez l'attention de monde qui est entourage et vous besoin de même j'avoue parce que tout le monde a cherché à vivre bien. Donc, à partir de là, ou bien attention monnaie ou bien à expliquer une série de bagages, faire prendre conscience de série de bagages. Donc ça c'est un aspect travail, mais travail il y a plusieurs aspects que si on t'a développé et bon ça t'a prend plus de temps et pour parler de ça dans l'émission. Bon nous y temps, nous vraiment nous vraiment y temps soit expliquer nous le comprendre fait net. C'est okay. Pourtant nous y temps reprendre le jeune. OK. Mais le monde paraît sur un indigo. Qui j'en pral faire identifier moun sa c'est un indigo comme s'il pas besoin parler ou bien faire réaction non ou juste garder ou même avec un yeux spirituel ou dire ah moun sa son indigo qui j'en ka fait ça. Bon c'est pas tout moun kap kawe si yon moun si yon indigo, c'est pas tout moun kap kawe parce que faut ou par exemple faut niveau faut ou arriver au niveau de spiritualité pour sens ou développer pour et capacité extrasensorielle ou capable développer. Par exemple, la majorité des gens, ils doivent juste aimer un vibe, ils aiment un bon côté, ils doivent juste sentir un bagage qui attire, ils aiment passer le temps avant, ils aiment bien expliquer le problème, tout ça. Mais ils seulement ouais ça. Mais il y a des gens, par exemple, que la troisième heure est bien ouverte, que la troisième heure est bien ouverte sur le monde énergétique, sur le monde subtil. Et il y a des gens qui ont une capacité extrasensorielle qui est bien développée, une capacité psychique qui est bien développée. Donc, les gens ont une capacité pour sentir l'énergie qui est dans le monde. Et on doit reconnaître ça ou un monde qui a des yeux pour le voir, même si c'est pas well ou l'autre bagage, mais on va les sentir, on doit dire ah ou pas mon nom ou pas même genre tout mon nom. Donc on doit pas compter mais dire quoi exactement, mais la sentir que ou même ou pas même genre tout on a senti que ou pas un monde normal. OK, mais le garder nous sommes monde normal. Non, mais parce que non, c'est juste pour vous connaître si vous êtes indigo. Non, et indigo en lui-même, dévoté en indigo, t'as senti ça. C'est l'âme de vérifier. Qui est-ce qu'on peut reconnaître que c'est un indigo, c'est un être de lumière? Et, ok. Et, il faut me dire que, âme ça, j'aime te dire tout à l'heure, c'est des âmes qui sortent dans une série de dimensions, sur une série de planètes, côté que espèce ça ou civilisation ça ou puis évoluer que l'homme nettement puis évoluer gain qui gain même des millions d'années d'évolution sur nous. Ça veut dire ça ou gain comme technologie c'est pas nous pour même qu'à comprendre. Donc il est très évolué dans ce sens là ni spirituellement ni technologiquement. Mais ça qui passe c'est que donc toute espèce qui peut évoluer dans la galaxie noire par exemple, il a formé une communauté, il a formé une alliance, une communauté galactique côté que eux-mêmes, il a veillé sur l'évolution spirituelle et toute l'autre espèce qui existait dans la galaxie. Donc communauté galaxie ça comme c'est des êtres qui vraiment sages, qui vraiment évolué. Donc il y a des principes qui respectés, par exemple principe de libre arbitre. Il n'y a pas de droit interagir directement dans l'évolution spirituelle d'une espèce. Il a quitté espèce sans développer par lui-même, il rien doit guider, il rien doit canaliser, mais il a quitté c'est lui-même qui fait choix. Ces mêmes gens avec un gars des non classe, il doit grand petit monde qui va sous l'école. Si directeur vient il a forcé petit monde à venir sous l'école, c'est pas ça qu'il fait petit monde réussir, au contraire petit monde si c'est au contraire l'oral met pression sur lui, au contraire ça plus faire pas réussir. Soit met en pression sur lui directement, mais comment capable faire ça? On doit prendre quelques autres élèves qui n'ont l'autre classe côté élève sous l'école côté élève va faire challenge entre eux pour voir qu'est-ce qui est meilleur et pour voir dans la classe côté que élève pas sous ça et automatiquement voyez et élève qui était sous ça dans la classe côté élève pas sous ça qui ça peut passer gain un élève qui était sous ça comme si cap subi influence élève qui pas sous ça gain cap perdu mais majorité là dedans aussi rempli mission il y a qu'embêté tout et il
inspirer l'autre élève qui passe sous ça. L'autre élève qui passe sous ça, il a envie de faire même j'avais parce que il a le grand plaisir, direction après compenser, il a le grand honorer, tout ça. Et bien, c'est même genre. Être spirituel, ça, il n'a pas agi directement sur l'évolution. Nous. Qui ça a fait, il a plutôt fait être passé parmi nous. Donc, c'est ça qui fait incarner dans le corps un bébé. Il incarne dans le corps un bébé, il grandit parmi nous, étant qu'il est humain. Et puis, comme vous incarnez dans un être humain, donc bon partie de la conscience que vous êtes obligé de quitter. Parce que si vous venez à toute conscience, à tout ce que vous avez comme connaissance, bon, pas oublier que qui ça qui fait nous humains, ou bien qui ça qui fait une âme, son acturien par exemple, ce n'est pas quoi, mais c'est conscience, là, c'est mémoire. Là. Donc, même si vous avez un Québécois, mais si vous venez avec mémoire acturien, automatiquement son acturien. Donc, c'est ça. Donc, vous quittez une partie de la mémoire. Vous ne pouvez pas venir avec tout parce que. Non seulement, si vous venez avec tout, vous venez avec toute nationalité, vous venez avec toute identité. Yo. Deuxièmement, conscience humaine, vous êtes capable de dire corps humain pour évoluer assez pour recevoir et qualité conscience, sa qualité mémoire. Ça. C'est même genre avec petit téléphone ancien, il y a une série d'applications pour vous pas recevoir. Donc, c'est comme ça. C'est ça qui fait que majorité nan indigo yo pa ka rappeler yo kon perdu pa ka rappeler de qui est-ce que yo c'est parce que bon partie nan mémoire yo quitté yo juste gen des symptômes parce qui pi essentiel là c'est lui même que yo kembe yo doit toujours sentir que moun nan gon lumière la kali et toujours gon l'amour la kali toujours gen des dons genre ou dit là que nan langage nou nan culture nou il doit gen don magnétisme il gen doit gen don clairvoyance il gen doit son moun qui comme si il doit son moun qui gen don de guérison. Comme si on bête gen doit malade ou on moun gen doit malade ni passer men sou les guérir et tout ça. Donc bon paquet de caractéristiques qui rete, bon paquet de traces qui rete, mais toute reste conscience là n'est pas plongée dans la dimension humaine là. OK. Au fond ça me voulait comprendre dans tout ça expliquer mieux. Ça veut dire yon moun en grandissant qui tout médium moun nan ka wè futur et ou ka vinn sou li wè passé ou li wè futur. OK, li même wè présent, ça ka passer dans vie ou kounya. Et gen moun tou ki même gen don depuis moun nan juste touché on côté que ou malade ou guéri, ça veut dire moun sa yo c'est des âmes bien déterminées qui choisi moun sa yo pour mission ça. Ça veut dire pas gen yon moun sou la terre là qui c'est un hasard, nous chaque gen mission pas gen hasard gens qui ont dit nous chaque gen mission gen moun bagala nan li pou ka découvrir gen moun jam zo la pas que indigo k ap gade nou là qui peut-être qui après émission on va parler les on dit et j'en parler un gros paquet de baro dit là toujours senti yo on va voir l'autre exemple sur indigo yo. Par exemple ouais indigo yo, depuis au petit monde c'est ou après c'est petit monde qui remet bon tout petit monde remet super-héros mais après quitte les grands il grand monde il toujours un attachement à film super-héros à film pouvoir pour qui ça parce que dans lui-même un aspect dans lui-même qui connaît que tout bagage ça aussi des bagages qui possible côté le terrain il y a des bagages qui fait qui similaire avec gens de bagage ça donc moun ça toute la grande équipe grand monde toujours un attachement pour film super-héros film science-fiction tout ça moun ça tous sont moun qui ont attachement à la technologie qui est nécessaire qui met technologie en pile depuis leur petit jusqu'à ce qu'il a grandi parce que civilisation côté il t'a évolué hein, et son civilisation qui gagne en pile technologie moun ça tout ou ka wè son moun capable moun ça son moun qui remet et qui remet l'espace. Il y a mes étoiles, il y a mes planètes, il y a mes trucs à faire, je cherche sur les gens de base. Ça, il y a mes astronomie, astrologie, cosmologie, tout ça. Parce que les gens de science, ça, ils sont capables de tout. C'est comme si ils sont. Le lap étudie les gens de science, c'est comme si ils sont rappel, son souvenir de tout voyage que nous avons fait à travers l'espace. Donc, c'est comme si ils sont. On termine. Oui. C'est comme si ça vient créer une nostalgie là, quand même. Parce que Gombara qui est enfoui dans lui-même, que l'après vivre, bien qu'il ne pas vraiment comprendre qui ça que dit. Donc, j'en dis, il y a un paquet de capacités qui retiennent dans Mounsayo. Mounsayo incarné pour ça exactement. Il y a un qui vient incarner pour soigner les gens. Il y a un qui incarné pour partager la lumière, pour partager la connaissance, pour réveiller les gens. Donc, Mounsayo incarné pour tout type de mission. Indigo, bien que yo tout bien pour écraser le système, nan, mais yo chaque écraser le système de façon par yo. Par exemple, ou doit y a un Indigo, c'est un petit travail, il était pour quoi, la petite communauté, li, a fait une méditation, tout ça, il était. En soudine, mais on a un indigo qui sortit tête les plus, lui-même les plus en guerrier de lumière, les plus en protestant. Même si protestant, on a protesté, les plus en guerrier, en combattant, en soldat. Ça veut dire l'entrée dans la bataille avec fougue, l'entrée dans la bataille avec du feu. Comme si on sentait le bon goût sur lui.
Ok, mais si on a parlé de gen moun en grandissant, mais qui ça aurait aimé, et moun qui aime pas nous, est-ce que ça a tout à gen rapport? Bon, aimer pas nous, hein, ça a gen plusieurs, ça a gen plusieurs causes. Gen moun qui aime pas nous, c'est parce que moun a manqué estime de soi. Par exemple, moun a gen droit, pas gen assez d'estime de soi pour faire une série de bagages, pour l'approcher une série de filles, et puis c'est dans porno qu'il est capable de joindre ça qu'il a cherché. Gen moun tout qui aime porno juste parce qu'il aime apprendre. Gen moun qui aime porno, c'est bagages qui lié à vie ça. Pour ça, tout gen moun qui aime porno, c'est bagages qui lié en vie antérieure. Peut-être que dans vie antérieure, moun a rien droit à un style de vie qu'il a mené, moun a rien droit à une actrice et de porno, tout ça. Et puis, dans vie ça, et pas après les traumatismes non, mais symptômes ça aurait été, c'est même avec mon qui gagne phobie ou on doit arrêter qu'on soit ouais un monde il perd l'eau même non ils aiment voir pas regarder. Donc ça qu'on y vécu dans vie passée mon a été subi un choc qui gagne à voir avec vous, il doit être pendant être sur un bateau il noyé, il doit c'est t'es un événement que le vivant pas quelqu'un devant que l'eau que l'élément de l'eau, qu'il va tuer ou bien font qui vraiment traumatisant pour lui et que choc émotionnel ça a toujours été que le traverser à travers l'incarnation et que mon a juste senti une phobie, lui perd l'eau, lui perd du feu, lui perd fait mon même fait mon confiance, bien mon qui pas fait mon confiance son traumatisme ni que lui. Donc tout ça on a vu jodi à là ça veut dire quelque part dans vie antérieure lui il était passé lui. Et pas gagne mon il était vivre lui. Pas gagne mon qui innocent, gagne mon qui ignorant. Mais mon petit bébé qui fait il n'est pas innocent. Même si vous avez un bébé, vous avez un petit peu de temps, il fait à toute chance. Il va bien, il va aller, il va faire pour lui. Il fait à toute chance. Il fait comme si tout ça était réalisé pour lui. Ça, c'est karma, il va suivre. Il était soumis encore karma positif dans la vie antérieure. Il commence à continuer à suivre. Il a besoin de réponse. Même si vous avez un petit peu de temps, il fait maladie, il fait misère, il fait une série de bagages, il a passé toute calamité. C'est comme ça qu'il a suivi, c'est pas que son, parce que son bébé que lui est innocent, il est juste ignorant, juste une série de bagages qu'il a fait, qu'il t'a fait, qu'il pas connaît. Et ça qui va arriver, c'est que tout autant que le monde ne lit pas apprendre de leçons, il ne lit pas apprendre de leçons que et comme ma vie apprendre, même bagage ça va continuer à arriver jusqu'à ce qu'il apprenne. Et à priver sous l'autre forme, il n'est pas jamais sorti dans le boxe. Ok. Quand on est dans l'être de lumière, là, toujours, alors on a continué sous le même dossier. Là. Et je me rappelle que l'indigo, c'est toujours être de lumière. Et ça fait depuis le commencement, je te dis que nous avons pour nous parler de être de lumière. Donc, nous sommes obligés de comprendre tout détail. Ça dis-nous, qui est-ce que vous avez rentré en communication avec un être de lumière? Bon, être de lumière, vous êtes toujours en communication ensemble avec nous. Par exemple, moi-même, fais spiritualité, moi pas fait l'autre bagage que moi a fait comme si et rituel. Bon, bien que en partie au cas entre dans la spiritualité, hein, mais bon catégorie de monde qui seulement fait ça et que vous pensez c'est spiritualité. Donc, façon que nous travaillons sur tête nous comme être spirituel, l'autre moi pas travailler sur tête comme ça. Bon, un petit exemple simple. Ou après, d'abord pour qui ça et moi par exemple garder moi bouddhiste. Vous faites journée à méditer, vous faites journée à travailler sur tête. Et pourtant, vous avez fait chemin qui écoute, vous avez pris un livre qui a une prière, qui a un mot de pouvoir. Mais ça, c'est des raccourcis que vous avez. C'est des barrières que vous utilisez comme raccourcis, mais vous n'avez pas fait partie de vous. Vous êtes capable de faire des accessoires que vous avez. Mais moi, par exemple, je travaille sur tête pour faire partie de vous-même. Vous comprenez? Vous venez faire seul avec elle. Exactement. C'est ça que vous avez plutôt, les gens qui sont vraiment spirituels, plutôt travaillent sur tête pour. Être spirituel, c'est être, ce n'est pas avoir. Et ça fait aujourd'hui, j'ai de la connaissance. J'ai la connaissance, donc son avoir que lié. Ok? Mais être spirituel, là, c'est être. Par contre, si vous voulez qu'il y ait bon. Vous manquez de comprendre. Ok. Gagner l'avoir. C'est ça que vous possédez. Connaissance, c'est son avoir que lié. Son bagage que vous possédez. Mais connaissance, ça, lui-même, vous avez toujours gagné toute belle connaissance. Et que. Par exemple, on a une belle connaissance et que mon ou il y a pas un bel monde. Ok. Ou pas un bel, moi me disais, ou pas un bel homme. Exactement. Ok. Donc, ou son monde et qui pas, ou pas un même monde tout. En soi, il y a des bails négatifs qui la caillou, est-ce que c'est son envie de dire? Et bon, comment te cas ça? Et il faut pas oublier les questions, parce que beaucoup finir pour nous tout, non? Non, et concernant et comment pour entrer en communication avec aide de lumière. Oui. Et j'en tape dit là moun gen droit par exemple gen connaissance yo
j'aime dire la connaissance yo yo en dehors de vous-même. Mais qui ça qui va le faire connaissance yo vinn connaissance on capable dire car et ou capable utiliser connaissance pour former tête tout. Ou capable utiliser connaissance pour façonner tête tout. Mais tout autant ou beaucoup et c'est influence connaissance yo pral gagner sur qui va déterminer qui est ce que par exemple c'est façon pour utiliser connaissance qui pral façonner ou même. Donc ça que vous avez à l'intérieur là c'est l'être mais connaissance là c'est un avoir c'est ça qui fait vous capable gagner toute connaissance qui gagne existe dans le monde et pour pas être spirituel vous capable gagner toute gros livre pour pas aucune notion de ou pas aucun niveau de spiritualité là car et pour gagner un monde qui pas gagner trop connaissance et puis qui pas gagner toute connaissance à gagner et puis un niveau spirituel qui plus que vous par exemple et un peu monde toujours poser une question ça est-ce que pour un monde spirituel faut qu'il gagne toute connaissance à que gagne on me dit non. Ou bien un petit grand monde en dehors qui pas même à l'école. Ou quitter question là. Oui, c'est mon parenthèse. Ou bien un petit grand monde qui à l'école qui pas en dehors qui pas même à l'école et que petit grand monde ça, il pas vraiment connait dans l'école et qu'on pose une question et il répond avec une sagesse que un monde qui à l'école pas même qui répond. Vous comprenez? Donc pour me retourner sur question hein, et comment pour entrer en communication avec aide de lumière. J'aime dire là nous même dans spiritualité nous pas travailler sur tête nous même avec l'autre monde. Nous pas travail sur nous pas comme ça faire rituel pour foncer de mais nous travail sur propre tête pas nous faut me dire que l'homme sont être multidimensionnel c'est-à-dire nous gain plusieurs couches nous gain plusieurs dimensions par exemple nous gain un corps physique en fait partie de monde que nous de être que nous gain un corps physique qui existe dans plan physique là qui permet nous interagir avec plan physique là nous gain un corps émotionnel qui est le corps astral tout qui existe dans le plan émotionnel ou bien le plan astral. Nous avons un corps mental qui existe dans le plan mental. Et nous avons ça y aurait les âmes, ça y aurait les bon, âmes sont une sorte de guide spirituel que nous avons. Il y a mon qui est l'ange gardien, qui est dans vos dossiers, il y aurait les gros bon anges là. Donc, lui-même, il y a un plan qui est le plan causal. Donc, qui ça qui passe? Comment pour entrer en commune? D'ailleurs, la majorité est de lumière, il y a minimum dans le plan causal. Donc, comment pour entrer en contact avec vous? Et mbal bon yon exemple imagine que nous avons fait gagne gros musique ou n'a bon côté m'nan là ou di m'yon parole puis m'pa k'attendé et bien c'est ça qui rivé guide spirituel nou yo et âme sur nou yo qui pa incarné mais qui rete dans l'au-delà yo toujours communiquer avec nous toujours guider nous univers en lui-même toujours communiquer avec nous mais c'est nous même qui pa attendé ça qui fait nous pa attendé parce que corps physique en lui-même il toujours fait bruit dans plan physique là corps émotionnel là la fait bruit dans plan émotionnel là corps mental a fait bruit dans plan mental là. On va expliquer comment qui a fait bruit. On connaît nous pas prendre pause, on aller puis okay. Qui coûte. Corps physique a fait bruit, corps physique est toujours agité. Il toujours agité tout bon bah la fait pas jamais reposer pas pour un temps pour faire silence. C'est ça faut l'heure on a médité, il rester dans position fixe. Soit il chita en lotus en semi lotus ou bien il va coucher ou bien il va marcher tout sauf que gagne un calme, il imposer un calme dans corps. C'est même genre pour corps émotionnel dans tout. Le monde a médité le fait quoi émotionnel en fait silence. A dit émotion yo, li capable de maîtriser ou li canaliser. C'est même genre tout pour corps mental. Le monde a médité toute pensée yo, toute idée yo, toute intention yo, li maîtriser ou li canaliser. Soit moun ki nan niveau avancé yo bloqué aucun pensée, aucune image pas vinn dans mental yo. Ça c'est au niveau avancé. Pour ça tout moun doit choisir détacher le yo. Donc automatiquement fait trois corps inférieurs ça fait silence. Ou bien capacité pour tendre corps causal là qui c'est ça ou les higher self là qui c'est soi supérieur là qui c'est ange gardien principal là qui c'est guide spirituel principal là donc automatiquement on fait quoi ça on fait silence soit bien capacité pour tendre la dévoiler en série de bagages sous toute forme bien doit c'est dans rêve bien doit c'est à travers et bagage que ou après à travers synchronicité à travers un miroir à travers et on paquet de façons que on communique ensemble avec nous à travers clair audience à travers éclair connaissance, à travers éclair voyance, tout ça. Ok. Moment arrivé pour nous prendre dernier pause dans l'émission. Restez connectés. Le nap tourné dans la deuxième partie de l'émission. Nous allons parler de qui Jean yon moun ka évolué spirituellement. Restez connectés, nap tourné après.
tourner après pause là. Merci parce qu'on était connecté sur channel là. Pas oublier on suivre Espace du savoir. Nous gain Fednel François Indigo qui dans Kailan qui vient partager connaissance ensemble avec nous sur être de lumière, sur spiritualité. Donc et dans première partie émission, nous gain parler de en pile bagaille et nous va continuer là dans deuxième partie émission. Fednel nous tourner là. Eh bien, nous tourner mais n'après toujours rentrer dans causer et spiritualité dans causer être de lumière là. Mais avant bon mando ou dit si on moun nan boui ou te prend exemple moun nan gèdwa nan boui et puis li on moun pala ki bon côté le pala vel li pa katande sa moun nan di an. Ou dit c'est idem pour yon moun ki ville en désordre, résumer le comme ça, ville en désordre qui pas dans dimension, qui pas dans position, l'a toujours pas attendre ça être comme si être de lumière qui ou bien âme sur li ou bien ange gardien li côté li a mal pour tande elle. Mais qui jon moun ka reconnaître ange gardien là ka ça. Et bon, faut me dire que d'abord, j'ai pas qu'un moun ouais ange gardien moi pas mal comme ça. Ange gardien c'est lui-même qui ange gardien principal, c'est lui-même qui higher self, c'est lui-même qui ego spirituel, c'est lui-même qui soi supérieur, c'est lui-même qui âme. Parce que pas oublier que c'est âme qui choisit mission, qui choisit le chemin de vie pour venir incarner, pour venir vivre une série d'expériences. Donc c'est lui-même qui est principal, ange gardien, c'est lui-même qui est principal, guide spirituel. Et donc, vous me demandez comment il y a un monde capable de reconnaître ange gardien. Je ne connais pas, parce que grand pile monde qui dit ça, c'est parce que, excusez-moi, il y a un monde. Comme si on doit marcher dans la rue. On machine vini pour le frapper ou. Exactement dans moi ce que 10 secondes machine n'a pral pour ou li camper le frein sec. On toujours tendez dans bouche moun yo et c'est ange gardien. Yo dit ange gardien ou né ensemble avec lui, son ange qui choisir et choisir depuis petit. Donc ma vie konn ki vérité qui gen dans toute bagaille ça. Est-ce que c'est vrai? OK. Ange gardien ou pas né ensemble avec lui. Il a fait parler de ange gardien principal là que il est âme c'est lui-même qui âme ange gardien ça lui-même bon par contre il gagne l'autre ange gardien même pas le ange gardien parce que notion de ange là et ont tige en trois religieux ça fait pas même utiliser donc âme lui-même sont liés au-delà du temps et de l'espace donc âme dans plan cause la notion de temps avec l'espace j'en avais lié dans matérialité ça c'est pas comme ça qu'il est. Donc âme lui-même il est vraiment âgé parce qu'il subit plusieurs incarnations déjà et on va le bon exemple si on c'est âme dans le dollar et puis là c'est plan physique là. Donc âme voyez un petit mot sur conscience dans plan physique on vient expérimenter petit mot sur conscience ça c'est moi-même par exemple dans cas âme pas c'est ou même dans cas âme Paul donc il voyez un petit mot sur conscience expérimenter donc petit mot sur conscience ça il fait li grandi li apprend après ça li retourne à jeune amnal compléter amna après ça li retourne dans l'autre incarnation vient continuer donc c'est ainsi de suite là on y a un petit monde fait c'est pas que leur fait là en gardien vient ensemble avec lui mais amna qui est le gardien principal là qui est toujours là au contraire c'est lui même qui voit et dans l'incarnation et en gros on vit dit que donc gen bagay qui pral rivo comme amna son âme qui t'a expérimenté donc dans plan que li a au-delà, il y a des bagages qui sont en train de se faire. Exactement. Et puis, rapide, vite, pour les bagages qui sont crampés ou bien pas traversés. Exactement. Les bagages qui sont en train expliquer tout parce qu'il y a un peu de monde comprendre ça. Et si vous avez des bagages de prophétie ou bien des bagages dans l'avenir que vous avez dit tout à l'heure, c'est que, amenant un plan que tu as, je vais vous un exemple simple. Par exemple, moi, je prends une moto pour me venir là. Et puis, même, je viens là, je ne vais pas faire des bagages. Mais pendant que je prends une moto, hein, par exemple, je prends tel chauffeur. Si je prends l'autre chauffeur, si je prends tel chauffeur, je vais prendre l'autre chauffeur dans la place, automatiquement, j'aime ta vie dans ta différence. Par contre, tant que je fais un autre, ta différence. Humeur, moi, ta différence, tout dépendamment de l'énergie que le chauffeur moto a gagné. Donc, à chaque fois, nous avons un choix pour nous faire. À chaque fois, nous avons un choix seulement et pas seulement en action, mais à chaque fois que nous émettons une pensée, c'est comme si en science sur les univers parallèles, nous créons une ligne temporelle parallèle. Ça veut dire que toute possibilité existe simultanément. Possibilité pour faire quoi quitter l'émission, pour aller, possibilité en là. C'est juste que ou pas là dans c'est même avec une route qui te fait une et puis ils vont côté le faire deux. Sous suivre route ça, ou là dans le conscient de ça là dans seulement, mais ça va lui dire l'autre route là va exister.
l'autre va exister. Événement qui sont l'autre, là, toujours là, c'est juste que vous pas choisi à la donne. Donc, et c'est même genre. Amener la dimension que lui y a, il y a accès avec et incapable de toute possibilité ça. Et que c'est ça qui fait l'heure même où il vient encore fou, on a toujours essayé de communiquer ensemble avec pour dire maintenant qui bon pour aller. Mais ou même si vous pas en contact ensemble avec amour, si vous êtes un monde qui est trop focus sur le monde matériel, on perd des connexions spirituelles, ou quand toujours tromper ou faire un mauvais route, laisse amener lui-même, il va l'obliger et faire excès ou bien parfois même utiliser l'autre monde pour venir faire une série d'actions. Par exemple, il y a une série de monde, depuis là, Kali, les noirs. Amener nous avoir un message pour lui dire pas sorti parce que c'est pas chemin ça, mais on a tellement perdu connexion, il est tellement focus sur matérialité, il pas recevoir message et puis il sorti. Amener nous avoir un autre message, va dire bon monde croisé dans route là, il nous avoir un monde qui pile qui croise chez belle pour faire quoi pour tourner, mais il pas côté, il continue. Donc le ça, imagine aussi si mon tu dois monter telle machine au lieu de telle machine, donc la monter machine qu'il pas supposé monter. Donc automatiquement il fait ça amenant lui-même les pral, par exemple si machine a gagné pour le fond accident par exemple, amenant lui-même ni pral gagner pour font paquet effort pour le retirer dans position que il est. Et ça qui arrive tout qu'il pas réussi retirer dans position et que ou mourir dans accident. OK. Donc t'es gon expérience comme ça qui t'est arrivé, m'te gon l'école que m'te yé, m'a besoin de ça m'ta étudier dans l'école là et d'habitude faut mettre cravate. Jou matin m levé m'a chercher cravate la baol m'cherche m'pa wèl tant pou m'rete parce que si m'pa mete l m'ap dehors m'préféré aller en civil pendant m'en civil m vinn gon la appli tout un gros vent pou m nan route la rive nan salle côté que nous konn y a gon pied bois dé ak tombé nan sa sous salle là OK exactement nan parti côté m konn chita pied bois plonger la donne et puis l'homme vini classe qui était nan même nan moi cravate là nan classe là pendant bouquer chercher la donne me dit bon peut-être c'est un message de recevoir et puis mal prendre malgré ça me fait être dû moi continuer donc là ça me relait ça intuition ça c'est moi même vous comprenez moi relait l'intuition mais là où encore ou même on vient pour ton l'autre connaissance pour nous ou relait ça âme donc ça fait c'est même bagarre là intuition qui ça intuition est intuition ou juste senti son sensation que vous gagnez que ou doit faire ça ou doit faire ça mais qu'est-ce qui bonne sensation c'est amna j'aime dire on a amna communiquer ensemble avec nous plusieurs façons il nous a essayé d'endormir il paraît devant même il prend en forme il a pris même forme ensemble avec ou en monde même juste avant et puis il dit mais tel nom que le gagnez qui c'est non spirituel ou bien si on paraît pareil comme ça tout il nous a c'est juste un feeling c'est juste une sensation que vous gagnez et c'est comme ça amna qu'à communiquer ensemble avec un moment c'est comme ça le fait message dans passé. OK. Kou nya la an nou rentre dans dossier ki jwenn moun ka évolue spirituellement. Spiritualité ki sa liye pou? Bon, et spiritualité ki sa liye pou mwen? Spiritualité c'est question ti jan parce que terme ça tellement question ti jan philosophique parce que spiritualité c'est on ba ko kan défini même j'avec reste moi. Et bon, c'est ça faut bien poser question tout dit ki sa spiritualité pou mwen. Donc pour moi spiritualité même c'est essence même de chaque conscience. On va laisser expliquer ça comme dire chaque conscience qui est dans l'univers là, il y a gain pour évoluer. C'est même genre avec une plante. Automatiquement graine dans tomber dans terre là, il gain pour grandir, pour germer. Et ben c'est même genre chaque conscience qui gain dans l'univers là, qui c'est conscience une roche, qui c'est conscience qui dans une graine sandale, qui c'est conscience un animal, une plante ou bien un être humain ou bien un extraterrestre, chaque conscience ça y a gain pour évoluer parce que contrairement à ça mon yo penser univers n'est pas statique derrière nous gagne une loi cosmique qui dit ça la loi de la vibration la loi du rythme univers n'est pas statique pas rien qui dans univers qui dans univers qui est focus même petit atome petit molécule il a vibré sorti dans petit atome pour venir dans planète ou dans galaxie tout bagarre en mouvement passer par émotionnel en mouvement mentalement en mouvement corps en mouvement donc tout bagarre en mouvement vous comprenez donc spiritualité en lui-même c'est affaire de c'est essence même de chaque conscience appelée pour évoluer donc capable tout la spiritualité en soi c'est comme décadre que la spiritualité en soi c'est capable tout c'est aspiration même de chaque conscience c'est pas une notion que l'homme inventé c'est pas une notion que personne inventé mais c'est depuis dans
création que sous la fin de faire. Donc chaque partie dans sous la gagne pour lui évoluer, gagne pour lui étendre pour sous la lui-même capable de continuer étendre. Et c'est ça que dans le niveau de conscience, par nous nourrir la spiritualité. Mais par exemple, la carrière plante, ou te ka dit, plante la grandit, et la carrière roche, ou te ka dit, roche la roule, ou la planète, ou te ka dit, bon, planète la évolue, elle était sortie dans la phase. Et minéral qu'on y a là, les gagne être vivant sous lui. Donc chaque, et ça faut même parler de plusieurs types de êtres. Même on voit où est qu'il a, où est qu'il prend un mouvement, il gagne une conscience dedans, qui gagne spiritualité, pas qui gagne évolution, pas. Donc spiritualité, c'est évolution en général, c'est évolution chaque conscience, c'est aspiration chaque conscience qui est dans l'univers là. Ok, Kounia, pendant l'évolution, on nous tout rentrer dans l'évolution spirituelle au monde. Quel genre de monde qui a évolué spirituellement? D'abord, pour yon moun évoluer spirituellement, il faut gagner un minimum dans qui c'est essayer de compter tout. Mais là, compter tout, c'est un bagage qui tellement gagne, mon cap d'une série de bagages sur lui que moun yon vraiment perdu ou pas jamais qu'à un résultat. Par exemple, ouais, yon plante. Sougon, on bête, ou par contre, on espèce, on bête, ou prenons le pays, ou vini ensemble avec lui. Sou par contre, bête là. Pour qu'on qui j'en pour bal manger, pour qu'on qui j'en bête l'en vive, sous pas qu'on elle, bête l'en mourir dans mon, il n'y a pas qu'à évoluer. Et bien, c'est même gens. Pour évoluer spirituellement, d'abord, tu crasse conscience que nous y a, tu crasse ça que nous y a, faut chercher qu'on elle. Et chercher qu'on elle, c'est pas j'en mon y a abdi, c'est pas additionner et date de naissance, c'est pas dans signe astrologique, c'est pas ça qui va déterminer qui est souillé. Et là, un pile monde trompé, un pile monde pense ça, mais pas de aucun rapport. Par exemple, je ne fais pas de rapport parce qu'il faut m'expliquer ça ne fait pas de rapport parce qu'il y a un pile de monde, et même initié parler de ça, comme si pour compter tout, date de naissance, bah, ça y a qui l'a fait, c'est astrologique. Je dis pour qui ça, ça n'est pas utile ou non, contre qui est-ce que vous y êtes. Date de naissance au monde, par exemple. Par exemple, moi-même, j'ai fait 6 septembre 1996. J'ai fait une date ça. Date de naissance, ça, il est lié avec vie, ça, que je vis là. Il est lié avec incarnation, ça. Mais pas oublier, il y a plusieurs autres incarnations qui ont été passées. Et dans chaque incarnation, ça a une date de naissance différente. Donc, date de naissance, ça, il y a avec Timo, sur conscience, ça, petite expérience, ça que m'a fait, mais il n'y a pas aucun rapport avec. Âme que m'y est en général. Okay. Deuxième bagaille. Donc, avant de continuer, c'est juste pour montrer mon yo, d'après vous-même, faire numérologie, il n'y a pas qu'à définir, déterminer mon que oui. Ni alignement planète. Ou fait toute telle planète, bah ça on va pas déterminer qui est-ce. Même pas l'expliquer ça. Essayez pas quitter perdu net pour pas perdre et question. Mais non, même pas quitter perdu puisque moi wap courir et faut nous parler. Oui. Nous pas m'a pas que nous pas gagner trop de temps. OK. Et oui, par exemple, imaginez un petit monde qui au moment qui gagne pour l'accoucher, il 9 mois arrivé, il gagne en 10 jours, un jour 31 mars. Maman gagne pour l'accoucher, comment s'est senti? Et contraction. Donc, la va coucher, soit aujourd'hui ou bien demain matin. Est-ce qu'on est que ni signe astrologique, là, ni date si mon a fait, là, docteur a gain droit dévier inconsciemment. Qui vais expliquer ça. Ok, par exemple, si ça fait parler de l'intuition, toute âme a une mission collective. Yon influencé sur vie l'autre. Yon âme bien loin qu'à cause que vous perdu. Par exemple, si mon a gain pour le fait 31 mars. Par exemple, donc tu es arrivé, donc comme si tu n'as rien pour vous sortir dans 31 mars, donc tu as dit, ah, je ne vais pas faire césarienne pour nous. Et pourtant, tu es de faire césarienne. Il dit, ah, je ne vais pas faire césarienne. Non, d'attendre, et puis premier avril l'arrivé. Et puis, il dit, ah, je vais me faire. Il fait césarienne, tu m'en as fait premier avril. Changer plan, tu m'en as changé. Plan avenir, tu m'en as changé. Pendant que, ce n'est pas que plan avenir, tu m'en as changé, c'est que. Ni chemin de vie, ni date de naissance, ça influence que ça a gagné sur nous. Ce n'est pas tout ça que nous avons dit. Oui, il y a une influence sur nous. Oui, il y a une parce que l'offre de nos dates bien précises, il y a un alignement que la planète a gagné, il y a une façon que l'énergie cosmique a circulé. Donc, oui, il y a une influence, mais ce n'est pas eux-mêmes qui va déterminer qui est-ce qu'il y a. Même Jean Tout, ce n'est pas le gain et alignement de telle planète qui va déterminer qui est-ce qu'il y a. Oui, alignement de la planète, c'est une énergie, mais c'est eux-mêmes qui va. Si vous n'avez pas de capacité pour maîtriser tout, si vous n'avez pas de maîtrise de soi, l'énergie, ça lui-même, la utiliser ou la vivre ou n'importe quoi. Même j'ai avec une vague,
le pas grand maîtrise sur va grand paraître faire pour vous l'autre bord il fait ça vie avoir mais l'on maîtrise sur utiliser énergie ça canaliser s'il bon s'il pour ton bail négatif ou capable bloquer s'il pour ton bail positif ou capable absorber pour nous tourner parce que forme capo pour nous retourner qui gens au monde qui a évolué spirituellement en alpicoute oui me dit faut mon dans compte qui est lié d'abord me parler de ça déjà dans commencement de l'émission nous gagner plusieurs couches dans nous mêmes pour compte qui est lié d'abord corps physique que là dedans là faut qu'on aime qu'on comment corps physique vous fonctionner qu'on qui le ou pas sentir bien qu'on qui le qu'on quand nous avons intelligence là-dedans, il est toujours communiquer ensemble avec nous. Donc, apprendre à communiquer ensemble avec nous, apprendre à connaître nous, apprendre à connaître qui ça fait pour nous manger, comment nous fonctionner, et apprendre à communiquer ensemble avec nous. C'est de, automatiquement venir qui est ce qu'on est, donc, ou venir l'autre monde, là, on parle de corps physique. Là. Mm-hmm. C'est de même pour corps émotionnel. Pour corps émotionnel apprendre qu'on est émotion, apprendre qu'on est traumatisme ou yo, apprendre qu'on est phobie ou yo, apprendre qu'on est démon qui gagne dans ou yo, apprendre affronter yo, apprendre maîtriser yo, et c'est ça qui va permettre qu'on corps émotionnel, qu'on comment y est, et c'est de même pour corps mental là tout, apprendre intention yo, même intention qui pis sombre yo, qui pis démoniaque yo, apprendre sincère ensemble avec tête ou affronter yo, donc automatiquement qu'on trois aspects de corps ça yo, ou vient qu'on maîtrise, ou vient qu'on maîtrise sous trois corps ça yo, donc ou vient capable utiliser ou non façon que vous voulez. Ok, donc c'est apprendre à faire tête nos confiance, apprendre à connaître qui l'esprit qui marche avec nous. Mais pour nous connaître, pour nous apprendre à connaître, mais qui gens nous apprennent à connaître, c'est ça la question. Et c'est là le travail spirituel, là, c'est là vraiment le travail spirituel. Là. C'est là comment, comme si nous avons toujours posé la question, comment nous travaillons sur la tête. Moi, quand toujours dit, nous avons dit, je travaille sur la tête, mais c'est comment on travaille sur la tête. Il y a plein de monde qui a envie de travailler sur la tête, mais on ne sait pas qui va bon commencer. On a tout expliqué. Bon, on va laisser très bref parce que l'air va passer. Et est-ce qu'on est mais comment l'être humain va fonctionner? Nous avons le conscient, nous avons le subconscient, nous avons l'inconscient. Le conscient, c'est ça que nous conscient. Le subconscient, c'est des bagailles qui là, que nous gagnons dans la mémoire, nous, que, qui entre le conscient et l'inconscient. Quand on a ça qui passe, d'abord, pour qui ça, il y a un joueur au football, même s'il gagne talent, on l'oblige toujours à entraîner. C'est parce que pour un bagaille entrer dans le subconscient, il faut gagner répétition. Il faut qu'on répète, le répéter. Le ça vient entrer dans le subconscient. Automatiquement, l'entrée dans le subconscient vient faire partie de eux même il vient taper un réflexe. Ça fait un joueur au football, par exemple. Le joueur vient sur lui, il a un réflexe pour le guetant faire une réaction. Mais la réaction, ça dépend de l'entraînement, de ça que l'entraîne dans le subconscient. Et bien, c'est le même genre. Si vous avez besoin de chasser tel bagage dans vous, ou travaille sur lui consciemment jusqu'à ce que vous fassiez entrer dans le subconscient. Ni physiquement, ni émotionnellement, ni mentalement. Donc, trois notions, ça y est. Conscient, subconscient, inconscient. Ou bien pour travailler consciemment. Ou bien d'abord pour garder tête ou non miroir. Regardez tête ou dans ou honnête ensemble avec tête ou et c'est un travail qui est vraiment difficile pour honnête ensemble avec tête ou et puis pour travailler sur tête ou pour façonner tête ou bagage que vous voulez entrer dans vous même ou commencer à pratiquer ou commencer à pratiquer ou faire entrer dans le subconscient jusqu'à ce que vous même entrer dans l'inconscient jusqu'à ce que vous venez une sorte de réflexe vous venez faire partie de vous même. Ok, mais qui genre moun nan ka atteint niveau ça niveau spirituel li à part de tout travail ça pour le faire bon. Pour atteindre le niveau spirituel, il faut passer par le travail. Ça. D'abord, j'aime dire, il faut qu'on ait un morceau de conscience ça que il faut qu'on connaisse. Et l'offre qu'on ait pour travailler sur lui, c'est ça fait dire, il faut qu'on connaisse, il faut qu'on garde tête dans le miroir pour connaître, monde qui ait un sacré façon et pour travailler sur lui pour faire grandir. Même j'aime dire, par exemple, avec vous, il y a un bête qui a un focado qui n'a pas de bête. On fait recherche pour connaître le bête, comment vivre, comment fonctionner, pour connaître comment pour bal manger, pour connaître qui est pour parler en d'elle, pour connaître comment pour faire vivre, pour lui-même, pour le cas évoluer. Ok, mais qui sa dimension spirituelle là? Le monde nan fin, fait tout travail sa yo sou tête li, li gon dimension tout. Faut que li rive nan dimension an. Est-ce que dimension sa li sur yon échelle de 1 à 10 ou bien parce que m'konde de moun yon parle de 5e dimension? Qui jan sa y, sa dimension spirituelle là? Ok, dimension, c'est niveau de conscience. C'est niveau de conscience et de perception. Par exemple, yon être qui dans troisième dimension, ni gon niveau de quoi. Si même avec classe l'école, un petit monde qui dans troisième année, gon niveau que le gagne par rapport à un petit monde qui dans sixième année. Donc à chaque dimension, gon niveau de conscience et de perception. Mais par contre, si n'a bien assez pour parler, ça va essayer aller bref. Et na capable dire en physique,
il y a une théorie qui explique, ou qui explique l'essence univers là, qui est la théorie des cordes. Qui lui même qui pas dit qui pas c'est pas une théorie Big Bang non pour ne pas penser que c'est samedi mais une théorie qui est la théorie des cordes qui explique que l'univers nous a 9 dimensions. Mais comment dimension ça arrive? Par exemple, on regarde les 3 premières dimensions selon et approche scientifique là, c'est longueur, largeur, hauteur. Ça tout le monde connaît la vie dans un monde qui a longueur, largeur, hauteur. Après ça nous gagne 4e dimension. Là. Ça c'est 3 premières dimensions, c'est des dimensions spatiales. Dimension ça va dans l'espace. Alors ça de 4e à 6e dimension, c'est des dimensions temporelles. Par exemple, l'on a 4e dimension hein, où étant linéairement, c'est-à-dire où aller du passé vers le futur. Ça c'est l'on a 4e dimension. Si majorité monde dans 4e dimension dans 3e 4e dimension, c'est ça fait temps paraître linéaire pour nous. Mais il y a monde qui na 5e dimension, li et comme si on capable dire li na li pas non ligne encore. Comme si moun sa li gen capacité pour voir plusieurs lignes temporelles. Bah que ça me que monsieur t'a expliqué tout à l'heure. Li gen capacité pour gen plusieurs lignes temporelles. Donc li conscient de un paquet de bagaille. Et le monde dans 6e dimension lui-même, li gen capacité pour voir toute ligne temporelle honnête. Toute ligne temporelle qui gen et rapport ensemble avec. OK. Donc après ça trois autres dimensions, c'est les dimensions et universelles que vous voyez. Par exemple, de 7e pour venir à 9e là. 7e dimension hein, et le monde est là-dedans, il gen capacité pour la expérimenter plusieurs univers. L'enzo plusieurs univers là, par exemple, univers noir prend naissance d'une façon. Il y a un petit changement dans origine univers noir, tu as créé un univers différent. Et c'est ça que je t'ai expliqué tout à l'heure sur univers parallèle là. Il y a une action que vous faites. Si on lieu de faire ça, on fait ça, ça crée une ligne temporelle différente. Et bien c'est même genre pour l'univers là. Il y a un monde qui est dans la 7e dimension, il a une capacité pour quitter l'univers. L'univers avec loi ça qui fait l'univers fonctionner, pour traverser conscience dans l'autre univers avec loi qui est différent, côté gravité différent, côté que et planète qui ne doit pas même planète bon série de barres que nous même nous pas même qu'à imaginer. Au compte ça m'envie ou faire mon yo comprendre pour moi brièvement, c'est l'univers là. Là dit univers là parce que gen moun ki di moi même ma vivre dans monde pam moun gen droit là ensemble avoir li dans monde pal li gen mode de vie li gen façon li comporter. Est-ce que ça ta gen rapport avec l'univers en soi comme si univers ça va parler à me vle juste pour expliquer moun yo pour yo comprendre. OK, le moun nan di li dans monde pal par exemple c'est que moun nan dans mental li moun nan perdu dans mental li si ça faut capable moun ni chita par exemple li loin ça on se bat avec nous on a vu on l'école pour ça avec son bagaille mais ou chita là mais on pas là ou loin on perdu dans mental on doit imaginer ou bien visualiser ou tel ou tel autre côté c'est que conscience ou li pas dans corps physique bon partie qui était dans corps physique mais conscience ou aller dans plan mental là focus sur plan mental là c'est ça qui fait tout ça qui passe dans plan physique on pas attendre ou focus sur plan mental là donc le ça mon dans li dans mode li et comme si li dans mental la explorer tout ça mental li bal possibilité pour l'explorer. Mais on va parler de l'univers là lui-même. L'univers là c'est tout et incapable de dire ça que qui existait qui formait l'univers. Tout ça nous gagne dans l'espace, tout ça nous gagne dans le temps, tout ça nous gagne comme loi. Chaque bagaille qui existait, moi-même ou même nous fait partie de l'univers là, nous sommes éléments constitutifs de l'univers là et même l'univers ça capable les l'autre, gens capable les Dieu si vous voulez. Parce que ça que nous ne pas comprendre c'est que Dieu n'est pas une entité à part. Si ça fait un pile de monde, il n'y a pas qu'à joindre chemin. Il y a toujours considéré bon Dieu comme une entité à part, comme une entité qui est au-delà. Automatiquement, ou une conception comme ça de bon Dieu, ou séparer tête de lui-même. Okay. Tandis que ou même ou en dedans, ou fait partie de lui, même j'ai une cellule, fait partie de corps. Ok, je vais vous poser une dernière question parce que nous finissons. Vous parlez de loi tout. Dans l'univers, il y a une loi. Vous parlez de temps, futur, présent. Mm-hmm. Donc, tout fait partie de l'univers. Mm-hmm. En nous rentrant dans la loi, on dit loi cosmique, yo. Loi cause à effet, qui c'est. Bon, moi, je dis c'est karma, peut-être que ne doit pas karma, c'est vous-même qui pouvez le dire, vous savez. Non, en quelque sorte, c'est même balance. C'est juste que loi ça yo et le karma sont dérivés de loi cause à effet. Par exemple, et karma son terme sanskrit, mais par exemple, dans vos dons, on a une façon de dire de vous sauver, c'est loué. Vous comprenez? Sauf fait, c'est loué. Donc, loi cause à effet, c'est une loi cosmique. C'est une sept lois cosmiques. Loi cosmique, c'est une loi qui dit l'univers là, mais comment pour fonctionner. Qui fait l'univers là fonctionner, genre fonctionner là. Non, l'autre univers, loi cosmique, c'est différent. Mais dans l'univers pas noir,
ça qui fait gain temps, ça qui fait gain espace à Jean lien, ça qui fait nous ca interagir, Jean avait interagi là, c'est à cause de loi cosmique ça, loi cosmique ça ou pas ca violer parce que c'est fondement même de l'univers là. Ça fait loi de cause à effet hein. Même dans la science c'est ça les lois d'action réaction. Automatiquement on fait action, qu'il soit action physique, émotionnelle ou bien mentale, la bonne réaction. OK. Donc c'est ça que y aurait les karma. Après tout travail ça yo moun fin fè sou tèt li, après toute connaissance ça yo moun fin acquérir, moun nan fin jwenn tout bay ça yo, ki jan moun ça pral commencer sentil le li fin évoluer spirituellement? Toute dernière question pour nous finir. Bon, d'abord moun pa fin évoluer spirituellement. Moun pa fin évoluer spirituellement parce que évolution spirituellement son bay ki pa gen fin. Li pa gen fin, pa oublier que plan spirituel yo, plan supérieur yo pa gen notion de temporalité. Temps, c'est un plan physique angulier. Maintenant, on sait de plan supérieur par une notion de temporalité. Tout bagage existe simultanément. Donc, l'homme a évolué spirituellement au niveau que arrivé où on vient être tout, ça arrive que on était tout supérieur à l'autre monde. Pour monde qui pas réussi maîtriser l'ego. Pour monde que l'ego toujours fait entrer sorti dans même ça arrive que on senti supérieur à l'autre monde. Ça c'est une bagage que nous gagnons pour nous mettre contre. Mais automatiquement au niveau spirituel qui avance, ça qui passe c'est que ou une sensation de légèreté ou sans tout son Dieu, sans tout son créateur, elle dit vie ou suspend plein pour vivre, ou vient comprendre pour sa vie dans façon qu'elle dit. Ou comment pour et ou qui bon pour aller. C'est même j'avais qu'un petit monde qui veut son faire examen. Petit monde a été préparé examen, li compte ça vient aller lever sur faire examen, li ouais que il était capable de toute question. Donc li bon aisance divine légère, li bon façon que la composer. Conseil, jusqu'à ne pas attendre à gauche, ne pas attendre à droite, ça l'a fait assez bien. Ok. Merci un peu, Fednel François. Merci parce que vous êtes passé dans l'espace du savoir, vous partager toute connaissance ensemble avec nous. Est-ce que vous avez quitté le numéro pour le grand public pour nous, s'il vous plaît? D'accord. Le numéro de téléphone, c'est 34 64 26 et puis 16. 34 64 26 et puis 16. Et puis moi j'ai une page en tout qui est le triple F indigo 369. Triple F c'est TRIPLEF indigo c'est INDIGO et puis 369. Donc Instagram, Facebook, YouTube, chaîne YouTube moi qui va venir bientôt c'est toujours même nom, triple F indigo 369. Et puis tout m'a dit merci Dorant pour l'invitation, merci pour belle émission ça et à la prochaine. Merci. Mais avant nous aller, moi je vous remettre un pied bois côtoisie de Lacouibo. Lacouibo qui a pour mission reboiser le pays d'Haïti. Donc nous avons pied bois ça là pour inviter nous ou même qui t'a remé un pied bois comme ça et ou ka visiter page Lacouibo sur Instagram, c'est Lacou L A K O U en créole, Ibo c'est I B O. Numéro c'est 39 11 12 12. 39 11 12 12 ou pas payer un goût au besoin et au besoin grande quantité tout pour aller en province ou pas payer un goût pour ça Fednel la baoule la bon pied aboka. Merci beaucoup. A dit merci à la Kouibo pour travail. N'a baou un pied aboka Fednel mais li côtoisie de la Kouibo. Ma konnen combien de temps aboka bon mon gen aboka pour manger Fednel. Merci la Kouibo. Merci en pile. Nous pratiquement arrivé dans fin émission Espace du savoir. Nous te gen Fednel François Indigo qui te vinn parler nous de qui ça qui Indigo, qui te vinn parler nous de être de lumière et qui te vinn parler nous tout de évolution spirituelle yon moun qui tout travail ou ka fè sou terre tout pour évoluer spirituellement. C'était une belle émission. Nous connaissons nous déjà c'est Dorant François page YouTube moins c'est Dorant François passé bam love lan la dan album grand abonné. Judeline Guerrier qui maquille, Doreski qui derrière caméra, Max qui a assuré réalisation. Nous bon rendez-vous pour une autre émission. Mouah, gros bisous à vous à la prochaine.